Notre cours d'aujourd'hui intéressera un thème fréquent et récurrent aux urgences, intéressant le domaine de la gastro-entérologie qui est la cholécystite aiguë. La présentation de notre cours sera de la sorte. Premièrement, un rappel anatomique et rôle de la vésicule biliaire. Deuxièmement, un rappel physiologique, composition et rôle de la bile. Troisièmement, on abordera le mécanisme physiopathologique de la maladie lithiasique. Quatrièmement, quelles sont les formes cliniques de la maladie lithiasique, à savoir une lithiase vésiculaire asymptomatique ou lithiase vésiculaire symptomatique, atype de cholécystite, de colique hépatique, d'angiocolite ou de pancréatite. Cinquièmement, la présentation clinique de la cholécystite aiguë. Sixièmement, quels seront les examens complémentaires à demander, surtout dans le cadre de l'urgence? Septièmement, les formes cliniques de la cholécystite aiguë. Huitièmement, savoir reconnaître les principaux diagnostics différentiels, médicaux et chirurgicaux. Neuvièmement, quels seront les critères de gravité de notre pathologie, qui est la cholécystite aiguë? Plus précisément, une classification à connaître et à prendre qui est la classification de Tokyo. Et finalement, la prise en charge de notre pathologie. Rappel anatomique sur l'arbre biliaire. L'arbre biliaire désigne l'ensemble des voies biliaires principales et accessoires. Les voies biliaires principales sont faites de la réunion des deux canaux hépatiques droit et gauche, formant ce qu'on appelle le canal hépatique commun, qui va se continuer en bas par le canal cholédoque, comme le montre l'image à côté. Pour ce qui est des voies biliaires accessoires, elles sont formées par la vésicule biliaire et son canal cystique. Rappel physiologique, composition et rôle de la bile. La première information à bien ancrer en tête est le fait que le siège de la sécrétion et de la synthèse de la bile est au niveau hépatocytaire, donc elle est synthétisée par les cellules hépatiques. Non dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est un organe de stockage, non de production ou de synthèse de bile. Donc, il faut faire la part des choses. Cette notion est fondamentale à connaître, car en cas de cholécystectomie, qui veut dire enlever toute la vésicule biliaire, notre foie continuera toujours à produire sa bile. Et donc, pas de régime spécifique restrictif de graisse, contrairement aux croyances courantes. Ça, il faut bien le connaître. On continue. Les hépatocytes sécrètent environ 1 litre de bile quotidiennement, qui est formé d'une solution aqueuse alcaline, avec un pH compris entre 7,6 et 8,6. De composés organiques et inorganiques. La composition de notre bile est faite majoritairement d'eau, avec un pourcentage de 82%. Sel biliaire à 12%, de lécithine qui sont des phospholipides à 4%, du cholestérol à 0,7%, le reste est représenté par des pigments biliaires, des protéines et des électrolytes. Pour ce qui est du rôle de la vésicule biliaire et de la bile, donc comme on l'a déjà cité, la vésicule biliaire est un organe de stockage qui a pour rôle de concentrer la bile, et ce par un phénomène de résorption d'eau. Puis, elle va l'excréter dans le tube digestif de façon discontinue, et ce, par contraction, pendant les repas. La physiopathologie de la maladie lithiasique. Elle est définie par la présence de calculs dans les voies biliaires. Soit au niveau de la vésicule biliaire, c'est la lithiase vésiculaire, ou au niveau du cholédoque formant la lithiase cholédocienne, ou au niveau intrahépatique formant la lithiase intrahépatique. Ces calculs-là peuvent être de nature différente. Majoritairement, à 80%, c'est le type cholestérolique qui est dominé par les calculs mixtes, fait de l'association du cholestérol et de bilirubinate de calcium et minoritairement de cholestérolique pur. La formation se fait en trois phases successives. Premièrement, la saturation de la bile en cholestérol. Normalement, le cholestérol est solubilisé dans la bile sous forme de micelles, qui sont des agrégats de cholestérol, d'acide biliaire et de phospholipides. Si la concentration en cholestérol augmente, la capacité de micellisation est dépassée. Donc ce cholestérol-là sera incorporé dans des vésicules.
Cette étape-là peut être soit la conséquence d'un excès en cholestérol ou bien d'une insuffisance de sel biliaire. La deuxième étape, c'est la cristallisation de ces calculs. Les vésicules vont s'agglomérer pour former les liposomes, les phospholipides se solubilisent et les cristaux de cholestérol se détachent. Ces cristaux-là de cholestérol seront enfermés dans un mucus vésiculaire, constituant ce qu'on appelle le sludge, ou bien appelé la bile épaisse. L'absorption de l'eau par l'épithélium vésiculaire favorise cet état. Et finalement, l'agglomération des cristaux en calcul. Cette étape-là est favorisée par la stase biliaire et l'hypomotilité de cette vésicule. Le deuxième type qui sont les calculs pigmentaires avec un pourcentage de 19,9% et finalement, exceptionnellement, les médicamenteuses. Les facteurs de risque de développer une lithiase vésiculaire. Selon le type de notre calcul, on distingue des facteurs de risque de lithiase cholestérolique et des facteurs de risque de lithiase pigmentaire. Pour les facteurs de risque de lithiase cholestérolique, on a l'âge avancé, supérieur à 60 ans, et ce par hypomotilité de la vésicule biliaire, le sexe féminin sous l'effet des œstrogènes, l'obésité avec une dyslipidémie type hypertriglycidémie. Un point très important à souligner est le fait que l'hypercholestérolémie n'est pas un facteur de risque. On a aussi tout ce qui est pathologie qui touche l'iléon, plus exactement l'iléon terminal, essentiellement dans la maladie de Crohn, donc tout ce qui est résection iléale. Et ce, par malabsorption des acides biliaires, donc on aura une bile saturée et un cholestérol. Et ceux-là ne peuvent être dissous dans la forme micellaire. On a aussi la mucoviscidose, aussi par malabsorption des sels biliaires, et l'action de la mucine qui accélère la précipitation du cholestérol. On a tout ce qui est régime alimentaire hypercalorique, la prédisposition familiale, la grossesse, donc la multiparité, et l'absence d'activité physique, donc la sédentarité. Pour ce qui est facteur de risque de lithiase pigmentaire, on a l'hémolyse chronique, type drépanocytose, la thalassémie, la maladie de Minkowski-Chauffard, le paludisme et une cirrhose. Les complications de la maladie lithiasique. Comme on l'a déjà cité, la lithiase vésiculaire est le plus souvent asymptomatique, à peu près 90% des cas. Cela veut dire que le patient ne présente aucun symptôme sur le plan clinique. Par contre, si celui-ci commence à se plaindre de fièvre ou de douleur, de siège épigastrique ou au niveau de l'hypochondre droit, donc la loge sous-phrénique droite, il faudra penser à une complication de cette lithiase, essentiellement s'il est porteur de lithiase connue. L'interrogatoire ici est primordial avec le patient, et ce à la recherche de l'heure exacte du début de la douleur, car c'est elle qui va faire la différence entre deux diagnostics. Premièrement, la colique hépatique, se résumant à une douleur épigastrique inférieure à 6 heures suite à l'ingestion d'un repas copieux, elle est due à l'enclavement transitoire momentané d'un calcul au niveau du collet vésiculaire. Puis celui-ci va être relâché au niveau de la vésicule, signant la régression de la symptomatologie, donc de la douleur. Et un autre diagnostic qui est la cholecystite. Donc la douleur va être supérieure à 6 heures, avec plus ou moins un syndrome infectieux. La troisième complication est représentée par l'angiocolite, qui est une infection bactérienne de la bile et des voies biliaires principales, le plus souvent secondaire à une obstruction de ces voies biliaires par un calcul. Elle se manifeste cliniquement par la triade de Charcot, suivant cet ordre chronologique-là. Premièrement, une douleur de siège épigastrique ou au niveau de l'hypochondre droit. Cette douleur-là est expliquée par la mise en tension brutale de ces voies biliaires causée par le calcul, engendrant ainsi une stase biliaire qui est un lit de surinfection par colonisation bactérienne et donc une infection cliniquement manifestée par une fièvre, le plus souvent à 39, donc élevée. Et finalement, l'ictère, et ce par le passage systémique de la bilirubine. Le diagnostic d'une angiocolite est posé cliniquement par cette triade-là, donc douleur, fièvre et ictère,
et sur le plan radiologique par la dilatation des voies biliaires principales, associée à une vésicule micro- ou macrolithiasique. C'est une urgence thérapeutique dont l'un des piliers de sa prise en charge initiale est représenté par la libération des voies biliaires principales par une sphinctérotomie endoscopique. La quatrième complication est représentée par la pancréatite aiguë, qui consiste à l'autodigestion de la glande pancréatique par ses propres enzymes, suite à une obstruction du canal de Virsung, qui est le canal pancréatique principal, par des microlithiases, le plus souvent inférieures à 5 mm, qui vont migrer jusqu'à la partie la plus distale du canal cholédoque. Le diagnostic de la pancréatite aiguë est clinico-biologique. Cliniquement, le patient va se présenter avec des douleurs caractéristiques de siège épigastrique, transfixiante à irradiation postérieure, rebelle aux antalgiques habituels, avec une position antalgique en chien de fusil. Associée sur le plan biologique à une élévation de la lipazémie qui sera supérieure à 3 fois la normale. La visualisation d'une vésicule microlithiasique sur une écho ou un scanner pose le diagnostic étiologique de cette pancréatite aiguë étant lithiasique. Sa prise en charge dépend de sa stadification scanographique sur le score de Balthazar.